Bonsoir à tous, jeudi 8 février, bienvenue dans cette édition sur TV 78, encore largement tournée vers la neige et ses conséquences dans le département. Tout de suite, les titres de ce 7-8 journal. La vigilance orange maintenue ce soir et jusqu'à samedi dans les Yvelines. Le territoire a connu aujourd'hui des températures négatives, puis un léger répit dans la journée, mais de nouvelles chutes de neige sont attendues demain. Nous sommes allés voir comment Guyancourt se prépare à ce nouvel épisode. Nous ferons le point également sur la météo des prochaines heures. Conséquence des intempéries, l'activité économique a été fortement ralentie hier. Beaucoup de salariés n'ont pas pu se rendre sur leur lieu de travail. Quelle était la situation aujourd'hui à Saint-Quentin en Yvelines? Reportage. Et puis on aurait bien besoin d'un aéroglisseur pour se déplacer avec des conditions de route difficiles. Justement, l'Estaca et le lycée Louis Blériot de Trappes en conçoivent un en ce moment. Un projet commun que nous avons pu suivre. Invité de ce journal tout à l'heure, l'Yvelinois Christian Portal, il signe L'Occident malade de sa médecine, un livre critique sur notre système et nos pratiques en termes de santé. C'est à suivre dans ce journal. La neige a laissé place aujourd'hui au verglas. Vous étiez nombreux ce matin à marcher lentement pour éviter la chute sur des sols très glissants. Ils étaient dus à la météo glaciale de la nuit dernière dans les Yvelines, jusqu'à moins 10 degrés localement. Plus tard, le soleil a fait son apparition, améliorant légèrement la situation. Mais demain, déjà, on vous en parle tout à l'heure, la neige devrait faire son retour. Et depuis le début des intempéries, les communes et collectivités sont pleinement mobilisées. Opération de salage et de déneigement de la chaussée. Elles se préparent désormais à de nouvelles chutes de neige demain. En coulisses, les services continuent donc d'être sur le qui-vive, comme vous allez le voir à Guyancourt avec ce sujet de Mélanie Poquet. 14h cet après-midi, à la mairie de Guyancourt, on fait le point sur les intempéries des jours précédents et surtout celles à venir. Une à trois réunions par jour. Salage ce matin, c'est ça ? 6h ce matin, pas de difficulté particulière. Ça allait toute la nuit à partir de 3h. Ah oui, quand même. On a fait 3h. C'est des moments importants puisqu'on a l'ensemble effectivement des services de la ville qui sont mobilisés. On permet de faire le point sur la météo, sur l'avancée effectivement de la météo, de voir aussi le travail que les agents de la ville font sur les voiries. Il faut penser à accueillir les enfants dans les crèches, continuer à les garder dans les crèches ou dans les écoles bien après l'heure effectivement de faire pour sécuriser les parents. Une évaluation presque heure par heure depuis mardi après-midi. Ce jeudi, une inquiétude apparaît, le sel. 40 tonnes ont été déversées dans les rues, la moitié du stock communal. On a recommandé 80 palettes pour la semaine prochaine. On espère les avoir. Grosso modo, pour bien dessaler, suite à un événement comme hier, la ville sur les axes primaires, secondaires, et également tout ce qui est accès aux services publics, il nous faut une journée et demie, avec un travail ininterrompu de la saleuse et des hommes à pied. 44 à 100 agents, tous services confondus, sont mobilisés jour et nuit. La neige devrait revenir dans les Yvelines vendredi. La saleuse Guyancourtoise reprendra du service dès 3h du matin. La météo donc au centre de toutes les attentions, d'autant plus qu'un nouvel épisode neigeux est attendu pour demain. Bonsoir Aurélie Ronze. Bonsoir. De la rédaction de TV 78. Comment la situation a-t-elle évolué ce jeudi et surtout comment va-t-elle se poursuivre cette nuit? Alors aujourd'hui c'était une journée de transition selon les services de Météo France. Vous l'avez constaté dans les Yvelines, il n'a pas neigé, on a eu un très beau soleil et les températures étaient même légèrement positives une bonne partie de l'après-midi. En revanche, pour demain Grégory, le ciel sera de nouveau capricieux, comme le confirme Frédéric Mizrahi. Il est prévisionniste au centre météorologique de Trappes. Il est au micro de Nicolas Kirilovitz. Malheureusement, vendredi, une nouvelle perturbation qui arrive le matin, une perturbation neigeuse, des neiges quand même qui pourraient apporter 3 à 5 cm de neige, avec un redout qui sera très faible et insuffisant pour faire fondre cette neige. Donc ça, c'est des centimètres qui vont se rajouter à ceux qu'on a déjà actuellement sur nos sols. Alors vous l'avez compris, au programme pour demain, un retour de la neige et des températures négatives. Et c'est surtout entre midi et 16h que les averses de neige seront plus intenses. Elles devraient être plus espacées à partir de 19h. Malgré tout, Météo France annonce des hauteurs de neige inférieures à celles de l'épisode de mardi à mercredi. Et sachez qu'il faudra attendre mercredi prochain, Grégory, pour avoir un vrai redout. Alors nous avons pu voir, Aurélie, depuis deux jours, des scènes de chaos, des milliers d'automobilistes bloqués sur les axes. Est-ce que l'on peut craindre demain encore de la pagaille sur les routes ?
Alors, en tout cas, aujourd'hui, cela a glissé, hein, bien sûr, en raison du verglas. Néanmoins, aucun phénomène majeur à signaler. Vous avez été, en effet, nombreux à laisser votre voiture au garage. Toutefois, sachez que la N118, la fameuse N118, reste fermée dans les deux sens de circulation entre le pont de Sèvres et les Ulysses. Concernant les poids lourds de plus de 7,5 tonnes, eh bien, ils ont le droit de circuler jusqu'à demain matin, 5 heures, et ce, afin de vider les zones de stockage. Alors, pour demain, dans un communiqué, la préfecture recommande de ne pas utiliser sa voiture en Île-de-France. Les chaussées seront en effet glissantes, on l'a dit. Il y aura donc de la neige et évidemment des températures négatives avec un risque de verglas. Faut-il du coup éviter une nouvelle fois d'utiliser son véhicule et privilégier les transports en commun ? Alors cette option est fortement bien sûr recommandée par les autorités, mais eh bien, sachez qu'il faudra prendre des délais car il y aura vraisemblablement des retards. D'ailleurs pour les Transiliens, comptez 3 trains sur 4 pour la ligne U. Même prévision, 3 trains sur 4 pour la ligne N. Pour la ligne C du RER, le trafic risque également d'être perturbé. Pour les bus, le réseau Skibus fonctionnait normalement aujourd'hui, mais pour l'heure, aucune annonce pour demain. Compte tenu des chutes de neige attendues, il risque d'y avoir des difficultés. Vous pouvez bien sûr vous tenir informé sur le site www.skibus.fr. Enfin, pour le réseau Fébus, le service de bus desservant Versailles, Saint-Cyr et Vélizy, toutes les lignes fonctionnaient quasiment normalement aujourd'hui, mais pour demain, pas encore de prévision annoncée. Une information à présent, Aurélie, attendue par tous les parents qui nous regardent. Qu'en est-il pour demain dans les écoles ? Alors, la préfecture des Yvelines a annoncé que les transports scolaires restaient suspendus demain sur l'ensemble du département. Pour les écoles, par exemple, la mairie des Clés-sous-Bois informe sur les réseaux sociaux que l'accueil dans les écoles et pendant le temps périscolaire sera encore fortement dégradé demain. À Trappes, par exemple, la restauration scolaire est assurée, mais il n'y aura pas d'accueil périscolaire donc demain matin et l'accueil de demain soir sera assuré jusqu'à 17h. D'une manière générale, Grégory, sachez que les écoles seront ouvertes demain dans toutes les communes, mais l'accueil sera assuré, mais il est fortement recommandé de garder ou bien de faire garder vos enfants. Enfin, pour les plus grands, les étudiants, réouverture de l'UVSQ demain, tous les sites sont concernés. Petite précision pour les IUT de Vélizy et de Rambouillet, les activités reprendront à partir de 10h30. Merci Aurélie pour ces précisions. La neige et le verglas ont aussi eu des répercussions sur les entreprises de Saint-Quentin en Yvelines, des salariés ne pouvant pas se rendre sur leur lieu de travail, certaines activités qui tournent au ralenti. Quelle était la situation aujourd'hui ? Nicolas Dandry, Quentin Lefrère, on fait le point. 7h30 ce jeudi matin sur le site Challenger Bouygues Construction de Guyancourt. Les premiers salariés arrivent en voiture, ils sont plus de 3000 à travailler ici. Ils ont bravé la neige et le verglas malgré les conseils donnés par la préfecture de limiter les déplacements en véhicule. On a essayé de dégeler la voiture et puis bah, comme ça roulait à peu près, on a pris la voiture finalement. Mais déjà hier, je ne suis pas venu travailler parce que les routes n'étaient pas praticables. Ça, c'est une chose sûre. Et ce matin, les axes étaient bien dégagés. J'ai la chance d'habiter près d'un axe roulant, ce qui fait que je n'ai pas eu de problème sur la route. Les nationales sont très dégagées. Juste la bretelle en arrivant sur le rond-point des Sangliers. Sinon, tout est dégagé. Si le site de Challenger semble retrouver une activité normale, cette entreprise inimontaine du bâtiment est au ralenti. Impossible pour ce chef d'entreprise d'utiliser ses véhicules bloqués par la neige et le verglas. Le gel a tout bloqué, ils ne sont pas conduisibles. Pour lui, la journée se poursuit dans son bureau. Sur ses 11 salariés, 2 ont pu venir travailler ce matin. Des difficultés entraînant des retards sur les chantiers et la perte d'environ 15 000 euros sur le chiffre d'affaires. J'ai un seul salarié sur un seul chantier aujourd'hui qui fait le travail qu'il devait faire, c'est-à-dire aujourd'hui appliquer des enduits et poncer. Moi, j'habite dans le centre-ville, donc j'ai pris le camion et puis j'ai roulé tout doucement jusqu'au chantier, quoi. Ce restaurant a anticipé les intempéries et l'annulation des livraisons. Des produits ont été stockés avant l'épisode neigeux. On a quand même réussi à ouvrir. On a eu beaucoup moins de clients que d'habitude, environ un tiers, voilà. La préfecture d'Île-de-France a mis en place une cellule d'urgence pour les entreprises impactées par les intempéries. À l'heure actuelle, aucune structure yvelinoise n'a fait de déclaration pour cet épisode neigeux.
Impact sur l'économie, mais aussi sur la politique locale. Sachez que la séance du Conseil communautaire de Saint-Quentin en Yvelines prévue ce soir est annulée. Allez, on referme cette page intempérie dans le journal avec ce sujet. Depuis deux jours, vous avez pu voir des images de chaos. Vous n'êtes aussi sûrement pas passé à côté de scènes plus sympathiques. Certains Yvelinois se sont tout à fait bien accommodés de la neige. Une touche de sourire avec Marilène Iapichino. Doucement, tout doucement, mieux vaut ne pas être pressé pour se déplacer dans les Yvelines depuis mardi soir. Bonjour Céline, bonjour à tous. Des centaines de véhicules toujours bloqués sur la nationale 118 au sud. Même la déneigeuse de voisin le Bretonneux est prise au piège, enneigée. À Poissy, les ennuis s'accumulent, la crue laisse place à une patinoire. La solution, opter pour un mode de transport plus adapté. Pas moins risqué. De la neige sur la Tour Eiffel, sur l'Arc de Triomphe et même dans les arènes de Nîmes, le parc France Miniature a immortalisé ce paysage peu habituel. Le château de Versailles, taille nature, a lui aussi sorti son manteau de vison. Au zoo de Thoiry, les animaux comptent bien participer aux batailles de boules de neige. Et à force d'amusement, une nouvelle population d'habitants s'est installée dans tout le département. On enchaîne avec la suite de ce journal. La santé, c'est une grande préoccupation de nos sociétés. Nous surveillons toujours les progrès de la médecine qui contribuent à l'augmentation de l'espérance de vie. La santé, un sujet vaste donc, que vous avez traité. Christian Portal, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'auteur de ce livre, L'Occident malade de sa médecine. C'est aux éditions Libres et Solidaires. Alors, c'est un livre critique sur le système de santé, aussi sur nos pratiques médicamenteuses. Vous reconnaissez les progrès médicaux. Vous mettez aussi en avant des limites et proposer des alternatives. On va en parler dans un instant. Déjà sur la démarche, pourquoi un livre sur la santé ? Alors c'est une très longue histoire. Ça fait très longtemps que je m'intéresse à cette question. J'ai moi-même... c'est toujours le même principe. On a eu des soucis de santé à un moment donné et puis on voit que ça ne s'est pas réglé ou pas comme il faut. Donc on a trouvé des alternatives et on s'aperçoit que ce sont seules ces alternatives qui ont réussi à nous sortir des ennuis. Ensuite, je me suis intéressé à travers des courants écologistes, etc. Et en fin de compte, je me suis rendu compte que, par exemple, à l'appel de Paris de l'UNESCO du professeur Bellepomme, on parlait des pesticides, des toxiques divers et variés, mais on ne parlait jamais des médicaments. Or, pourtant, les médicaments, c'est un point important, puisque ils sont fabriqués par les mêmes entreprises que celles qui fabriquent les pesticides. C'est les mêmes financements, et c'est surtout les mêmes principes de pensée. De nombreux scandales aussi, on pense au Mediator, au Levothyrox, voilà, qui entoure ces médicaments. Exactement, encore que le Levothyrox, ce n'est pas exactement la même nature, ça fait partie des effets secondaires liés à la gestion d'un médicament compliqué à gérer. Avec en plus un aspect qui est compliqué, qui est celui des génériques, dans lesquels on n'a pas la maîtrise, surtout un certain nombre d'éléments qui sont associés à la molécule principale. Et c'est ce qui fait d'ailleurs la différence d'usage et la différence d'effet. De nombreux patients ne reconnaissent pas leur médicament dans le médicament générique, ne reconnaissent pas les effets. Et donc c'est effectivement un souci, parce que notre vision, c'est la molécule fait le travail, et puis le reste, c'est l'accessoire, il ne se passe rien. Or, il se passe beaucoup de choses. Je prendrai un exemple sur un médicament. Par exemple, le paracétamol, qui est un médicament extrêmement banal que tout le monde va prendre, qui, entre parenthèses, a sa dose létale est extrêmement proche de la dose maximum, c'est de l'ordre de 3 grammes. Or, en hôpital, on donne facilement 4 grammes, y compris à des gens qui ne sont pas en bon état. Et au contact du chlore, ce paracétamol se transforme en deux autres molécules, une génotoxique et une hépatotoxique. D'accord. Et le chlore, vous en avez dans l'eau de boisson. Oui, donc des tas de limites que vous mettez en avant dans ce livre. Si on revient juste sur votre parcours, j'ai oublié de le préciser, vous êtes Yvelinois, originaire de la vallée de Chevreuse, et la santé, c'est un sujet d'intérêt pour vous. Vous êtes à l'origine notamment de la création d'un collectif qui s'appelle ACECOMED, c'est Agir pour une médecine écologique. Qu'est-ce que c'est la médecine écologique ? Pour l'instant, ça n'existe pas. Ouais. Mais c'est en gros l'équivalent
pour la médecine de ce qu'a été la démarche identique pour l'agriculture. C'est-à-dire que on essaye de comprendre que les ravageurs, les éléments qui s'opposent quelque part à la poussée des plantes sont des éléments avec lesquels il va falloir composer, vouloir éradiquer toute une série d'inconvénients de ce type, c'est l'assurance des pires ennuis et des impasses sur le plan même de la production. Et on se retrouve avec un problème de biodiversité que tout le monde condamne actuellement parce que les pesticides, les différents produits toxiques ont attaqué effectivement cette biodiversité. Je considère qu'effectivement, au niveau du corps humain, au niveau des corps vivants, il y a cette même biodiversité qu'il faut respecter. Et donc, tout ce qui relève des vecteurs infectieux qu'il faudrait à tout prix éradiquer par des vaccins ou par des antibiotiques, c'est une erreur de paradigme, tout simplement. Alors, dans ce livre, vous revenez bien sûr sur les nombreux progrès médicaux du XXe siècle, ça vous les éludez pas, mais en revanche, vous dites qu'à un moment, il y a peut-être eu une fausse route qui a été faite sur la santé, c'est ça ? Oui, oui. Bah, notamment sur ce paradigme infectieux. C'est-à-dire que nous avons vécu avec les microbes et nous sommes ce que nous sommes aussi grâce aux microbes. C'est-à-dire qu'on a fait cette expérience de créer des souris sans bactéries dans le tube digestif. Elles ne vivent pas. Elles ne peuvent pas vivre. Sur les solutions que vous avancez, c'est vrai que le temps avance vite, les solutions que vous avancez, des alternatives, vers quoi pourrait-on se tourner ? C'est très compliqué parce que ces alternatives n'existent quasiment pas, pour plusieurs raisons. La première, c'est que le personnel médical capable de faire ces alternatives est très peu présent. Très peu efficace. Je tenais d'un professeur d'homéopathie, Roland Sananès, qui disait sur 3000 homéopathes, il y en a à peine 300 de convenables. Donc on voit tout de suite que là, il y a une difficulté. Les produits homéopathiques, par exemple, deviennent de moins en moins efficaces parce qu'il y a des problèmes de chauffage des souches. On supprime un certain nombre de souches de production. On n'a pas donc tous les remèdes disponibles. Quand on les a, c'est compliqué de les obtenir parce qu'il y a toujours un délai d'une journée, deux journées pour les avoir. Donc, comme par exemple l'homéopathie est une médecine d'urgence, c'est une médecine extrêmement efficace, extrêmement rapide, mais c'est une médecine d'urgence. S'il faut deux jours pour obtenir un remède, le remède n'est plus bon quand c'est le moment de le prendre, par exemple. Alors, il nous reste 30 secondes. Qu'espérez-vous avec cet ouvrage ? Finalement, ça soit peut-être un manifeste pour le futur. Voilà, essayer de réveiller les consciences. Essayer de réveiller les consciences. Montrer que finalement, cette médecine qui se veut performante ou qui se dit performante ne l'est pas tant que ça et qu'on aura intérêt en tant que public à aller vers d'autres choses et l'exiger. Merci à Christian Portal d'avoir été avec nous. Yvelinois, je le rappelle, est auteur de ce livre « L'Occident malade de sa médecine » et je reprécise que c'est aux éditions Libres et Solidaires. Merci d'avoir été avec nous. Un mot d'éducation à présent, l'ESTACA, l'école d'ingénieurs et le lycée Louis Blériot de Trappes travaillent en commun. Objectif, concevoir un aéroglisseur, une occasion pour les jeunes de découvrir les sciences et les métiers de l'ingénierie. Camille Lambert, Quentin Lefrère et Nicolas Dandry ont assisté à un atelier. Des engrenages, des modèles de mécanique, les bases du projet Les Cordées de la Réussite, un programme national visant à favoriser l'accès aux études supérieures. Lycéens, étudiants et professeurs œuvrent dans un but commun, créer un aéroglisseur, une expérience innovante appréciée par les élèves. Du coup, ben, c'est intéressant, on fait des échanges avec les ingénieurs de l'ESTACA, on apprend beaucoup. Moi, je vais faire dans les énergies renouvelables plus tard. Ouais. Et quand je fais ça ici, c'est juste pour me donner un peu l'idée à ce que je vais faire plus tard. Quoi. Travailler en équipe, développer ses connaissances ou tester des prototypes, tous les moyens sont bons pour mettre les élèves en confiance. Des missions de plusieurs heures organisées par les professeurs toutes les deux semaines. À la base, c'est faire en sorte que pour les élèves des classes populaires aient accès aux études supérieures et surtout pour leur ouverture d'esprit. Ils se mettent en activité, ils vont participer à un projet d'école d'ingénieurs. Donc ils voient qu'ils peuvent y arriver et que finalement, c'est pas trop. Enfin, c'est accessible. Le projet est accessible à tous, contrairement aux idées reçues sur le métier d'ingénieur. Pour les étudiants de l'association Pegasestaca, c'est l'occasion de partager une nouvelle expérience pédagogique. La seule volant, ouais, qui est pas complet, enfin, il est presque complet. C'est pour le plaisir, par passion, pour donner l'envie aux autres de faire ce que l'on fait et pour que les autres nous donnent envie aussi de faire ce que l'on fait. C'est vraiment un mix, il s'agit en fait de mixer le savoir intellectuel et le savoir manuel. La maquette du prototype devrait voir le jour entre fin mai et début juin, à condition que tous s'accordent sur le chemin de la réussite.
Sport à présent avec du cyclisme sur piste. La sélection française pour les mondiaux a été dévoilée ce mardi au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. Des têtes d'affiche retenues, Quentin Lafargue, Mathilde Gros ou encore Ligny Montin, François Pervy. On retrouve également Mickaël Dalméda, le plaisirois qui fait son retour depuis les JO 2016. Mickaël Elmidro, un autre Mickaël, l'a rencontré. À mes côtés, Mickaël Dalméda, la sélection française pour les championnats du monde aux Pays-Bas vient tout juste de tomber. Mickaël Dalméda, vous êtes dans l'équipe, vous réintégrez cette équipe, est-ce que ça vous fait plaisir? Première question. Plaisir, oui, bien entendu, c'est toujours une satisfaction d'être sélectionné en équipe de France. Donc voilà, depuis ma dernière sélection entre guillemets aux Jeux Olympiques, qui s'est concluée par une médaille de bronze tout de même, j'avais levé un peu le pied et puis voilà, me voilà de retour aux affaires. Comme il faut. C'était déjà dans les cartons, on peut le dire. Vous avez été réintégré par l'équipe de France il y a quelques semaines. Vous avez participé à des manches de Coupe du Monde également. Est-ce que c'était prévisible, cette sélection? Elle était prévisible, bien entendu. Après, moi, ce n'était pas un objectif que je m'étais fixé. J'ai derrière moi que 4 mois d'entraînement. Le point d'interrogation était, est-ce qu'en 4 mois... de quoi je serais capable en 4 mois. Oui, j'ai participé à une Coupe du Monde il y a 3 semaines. C'est encore une fois une sélection que j'ai gagnée. C'était pas un acquis. Donc j'ai eu l'opportunité d'aller m'exprimer en Coupe du Monde. Et lors de cette Coupe du Monde, en réalisant les meilleurs temps personnels à mon poste en vitesse par équipe, voilà, j'ai gagné ma sélection maintenant pour les championnats du monde qui seront à la fin du mois. La vitesse par équipe, ça sera votre épreuve phare du coup de ces championnats du monde. Vous allez partager cette vitesse par équipe avec François Pervis et également Sébastien Vigier. Un cycliste, on peut le dire, expérimenté, un autre un peu moins expérimenté qui a 20 ans. Est-ce que c'est le bon compromis finalement? Le bon compromis, c'est d'avoir des athlètes qui vont vite. Voilà, pour moi, l'expérience, c'est quelque chose qui s'obtient avec les années, avec la pratique. Sébastien Vigier a quand même pratiqué beaucoup de vitesse par équipe, d'ailleurs de très belles manières, très honorables. Donc voilà, pour moi, c'est quelqu'un qui a déjà de l'expérience, qui va en avoir encore. J'en aurai moi aussi encore lors de ces championnats. Et puis on peut prendre le contre-exemple de François qui est plus vieux que moi et qui pourtant n'a pas fait beaucoup de championnats du monde en vitesse par équipe, aussi paradoxalement que ça puisse paraître. Donc voilà, l'expérience, c'est pas une question d'âge, c'est une question de pratique, et on en acquiert tout au long de sa carrière justement avec des expériences comme celle-là. Vous pensez que vous serez favori de ces championnats du monde? Je l'espère. J'en sais trop rien pour l'instant. C'est difficile pour moi de me prononcer. Je suis quelqu'un d'assez pragmatique et ambitieux. Donc voilà, moi, mon ambition, bien entendu, c'est qu'on soit les meilleurs. Maintenant, est-ce qu'on est les favoris? Je sais pas, c'est pas à moi de le dire. Par contre, je pense qu'on en fait partie. Ça, faut pas se le cacher. L'équipe de France ne doit pas viser autre chose qu'une médaille. Maintenant, voilà, la couleur de la médaille, on verra contre qui on luttera justement. Je pense que dès les qualifications, on verra. Ça me permettra à moi de jauger le niveau global de notre équipe, d'avoir un état aussi des autres équipes. Et puis voilà, à partir de là, à partir des qualifications, je pense qu'on pourra établir directement est-ce qu'on joue le titre ou pas. Les entraînements ont déjà commencé avec vous trois? Avec nous trois, oui, bien entendu, les entraînements ont déjà commencé. Après, il n'y a pas non plus à en pratiquer plus qu'il n'en faut. On se connaît, on fait du vélo ensemble tous les jours. Ce qui compte, c'est juste prendre quelques petits repères. Mais encore une fois, les repères, c'est comme l'expérience, ça s'acquiert lors des compétitions. Donc on fait ce qu'on sait faire, on se parle entre nous, on s'explique un peu comment chacun voit les choses. Et puis voilà, après, on fera parler la poudre sur la piste et... Puis voilà, après on ce qui compte après, c'est s'exprimer et savoir montrer ce qu'on a dans les jambes et sortir un chrono, et puis le reste ça suit. De votre côté, est-ce qu'il y a de l'appréhension? Non, il y a pas d'appréhension du tout. Il y a au contraire de l'excitation. L'appréhension, elle était plutôt il y a quelques semaines en arrière, quand j'ai été sélectionné pour la manche de Coupe du Monde à Minsk. Là j'avais un petit peu d'appréhension de savoir où j'en étais moi à titre personnel, avec seulement 4 mois d'entraînement dans les jambes. J'ai pu me rassurer aussi, entre guillemets, en voyant que je faisais toujours partie des meilleurs mondiaux et que j'avais même battu mon record personnel. Donc non, il n'y a strictement aucune appréhension. Au contraire, moi, les championnats du monde, les Jeux Olympiques, c'est des compétitions qui me galvanisent. Donc non, je suis prêt et excité.
Une dernière question. Vous aviez remporté une médaille d'or au championnat du monde ici à Saint-Quentin-en-Yvelines sur cette piste qui est juste derrière nous. Est-ce que vous allez en remporter une dans quelques semaines, selon vous? Bah, bien sûr, je vais pour ça. Et puis bah, pour l'anecdote, Apeldoorn, c'est là où j'ai obtenu mon premier titre de champion du monde aussi en 2011. Donc voilà, c'est pas une piste, on va pas dans l'inconnu. J'ai été champion du monde là-bas aussi, j'ai été champion du monde ici à Saint-Quentin. Voilà, maintenant, à chaque fois que je sors, de toute façon, c'est pour donner le meilleur de moi-même. Et si le meilleur de moi-même, c'est d'être champion du monde, voilà, je m'en prive pas, je prends. Donc voilà, maintenant, faut se concentrer encore sur l'entraînement qui reste à accomplir d'aujourd'hui au championnat du monde. Et puis voilà, dès le 28, je ferai parler la poudre. Merci, Mickaël Delmeda. Les championnats du monde aux Pays-Bas, c'est du 28 février au 4 mars. Avant de se quitter, petit rappel sur la météo dans les Yvelines. La neige est attendue de nouveau dès le petit matin. Le département qui reste d'ailleurs ce soir en vigilance orange et ce jusqu'à samedi 7h au moins. De nouveau, ça a été confirmé cet après-midi. Les transports scolaires ne seront pas assurés demain dans les Yvelines. Des perturbations également à prévoir sur les routes et dans les transports en commun. Une situation qui va évoluer continuellement. Et pour rester informé, je vous invite à consulter régulièrement les sites qui sont affichés, ceux de la préfecture des Yvelines, de Météo France et du Transilien. Et ce soir, on continue d'ailleurs de parler des intempéries dans les Yvelines, dans le 7-8 débat. Amanda Breuer-Rivera posera cette question à nos invités. Le chaos était-il évitable dans le département? C'est la fin de ce journal. Reportage et replay à consulter sur notre site internet et sur notre application mobile TV78. Très bonne soirée à tous.